L'enseignement direct et explicite reste un très gros morceau de ma session parce que c'est un modèle d'enseignement qui prend beaucoup de place dans ma salle de classe sur une base quotidienne. Je pense que ça vient du fait qu'à mon âge, c'est le modèle d'enseignement auquel j'ai été le plus exposé dans ma vie. J'irais même jusqu'à dire que c'est la façon dont j'ai toujours conçu l'enseignement même. Quand je faisais mes études secondaires, par exemple, soit entre 1994 et 1999, les modèles d'inspiration socio-constructiviste n'avaient pas la place qu'ils occupent aujourd'hui. Le concept même de compétence était probablement inconnu de la majeure partie de mes enseignants de l'époque, et je n'ose même pas parler de celui de compétence transversale. Une fois que je fais ce constat, la question à se poser, c'est comment est-ce que ça transpire dans mon propre enseignement du français? Je précise que je ne veux pas entrer dans le détail de ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas, mais bien de comment ça se transpose pour moi dans ma façon d'aborder l'enseignement et la planification de mes cours. Comme je comptais l'aborder dans le cadre de notre présentiel, qui n'a malheureusement pas eu lieu pour les raisons qu'on connaît, je laisse une très grande place à l'exposé magistral dans ma classe et je me sers d'outils visuels pour venir l'appuyer. C'est en fait précisément pour cette raison-là qu'il faut être clair, précis, organisé, mais aussi extrêmement dynamique dans son enseignement. Le support visuel va venir évidemment contribuer clairement à démontrer à l'élève vers où on s'en va à court, moyen et long terme. Ça revient aussi à ce que Véronique Boutet nous disait au sujet de sa planification lors de sa conférence en début de session. Je mets aussi beaucoup l'accent sur la révision en début de classe, question de m'assurer que les élèves maîtrisent les notions nécessaires à la leçon du jour, ce qui leur permettra de mieux organiser les nouveaux savoirs en réseau et ça leur permettra du coup de rendre possible leur mobilisation aux besoins, tout en structurant les acquis antérieurs. Je précise que c'est quelque chose que je fais de manière presque systématique lorsque je vais segmenter le menu, si vous voulez, de mon cours. D'ailleurs, s'il y a une chose que je retiens de cette session-ci, c'est que lorsqu'on présente des éléments visuels, ils se doivent d'être concis, mais surtout de consister en mots-clés. Il est évident que mettre trop d'informations, présenter trop d'informations viendra noyer le message et par conséquent réduire l'impact. Ensuite, s'il y a une chose que je fais énormément dans mes cours, c'est de la modélisation ainsi que la pratique guidée, surtout lorsqu'il tente d'enseigner de la grammaire, notamment sous la forme d'exercices individuels. Moi, ce que je veux, là, c'est que les élèves puissent auto-expliquer comment ils s'y prennent pour répondre aux questions, et ce, sans que j'aie à leur donner automatiquement la réponse. Je vais donc mettre en évidence le questionnement à faire en essayant de donner des exercices qui sont ouverts, ce qui me permet de contrôler la compréhension en évaluant sur le champ les réponses qu'on me fournit et dans un second temps, ça me permet une rétroaction immédiate. En somme, c'est ce que Clermont-Gautier appelait la pensée au parleur. Pour en terminer avec l'enseignement direct et explicite, je me permets de mettre ici un schéma que j'avais conçu initialement pour notre présentation lors de notre présentiel qui n'a pas eu lieu. Ça consiste essentiellement en de nombreux concepts et plusieurs notions qui sont au cœur de ce modèle d'enseignement-là. C'est des choses à laquelle on s'est attardé plus précisément dans le cadre de notre recherche et de la documentation qu'on avait amassée pour les fins de ce travail-là. Ensuite, parmi les rencontres qu'on a faites au courant de la session, je dois avouer que celle qui m'a le plus marqué, c'est celle de Paul Lachance. Je me suis vraiment identifié à ses propos et je suis sur la même longueur d'onde que lui sur plusieurs points.
notamment lorsqu'il nous disait qu'il fallait jamais perdre de vue notre profil, qui nous sommes et notre vécu préalable à notre vie d'enseignant quand vient le temps de préparer nos cours et d'introduire de la nouvelle matière. C'est après tout notre point de vue et notre bagage qui vont ouvrir des esprits et introduire aux jeunes de nouvelles choses. Ça peut sembler cliché, mais je crois que oui, d'une certaine manière, ils vont voir le monde un peu à travers nos yeux, d'une certaine façon. C'est donc pour ça qu'il faut chercher à notamment inclure l'actualité à notre enseignement. Et je dois dire que les quelques fois que je l'ai fait au courant de mes derniers mois de pratique, c'était beaucoup plus personnel et intéressant comme interaction avec les élèves. C'était beaucoup plus intéressant pour moi, certes, mais surtout pour les élèves. Comme M. Lachance le disait, c'est beaucoup des coups de chance, il y a une grosse place qui est accordée à l'improvisation, mais il est nécessaire, je pense, de garder une certaine marge de manœuvre tout en restant soi-même. Et ça, qu'on monte notre propre matériel à nous ou bien qu'on utilise des ensembles didactiques déjà publiés. Donc, comme je le mentionnais précédemment et dans mon analyse d'un ensemble didactique, je me suis vite rendu compte au courant de la session que j'adopte souvent l'enseignement direct. Cependant, j'en suis également arrivé au constat que j'aime bien adopter une position de médiateur en laissant les jeunes interagir entre eux et en les amenant où je veux qu'on aille sans que ça paraisse trop évident. C'est pourquoi, dès que j'en aurai la chance dans le futur, je vais tâcher de planifier des activités qui vont miser sur le travail collaboratif, afin que les élèves puissent profiter, par exemple, du retour en plénière pour exprimer leur vision, leur compréhension, mais aussi leur réflexion. Au-delà du simple travail en équipe, on le sait que notre savoir se construit de manière sociale et il faut agir en tenant compte et en s'en inspirant dans nos interactions avec nos élèves. Dans une classe de français, je crois qu'avec une bonne gestion de classe, ce qui n'a pas toujours été mon cas cette année malheureusement, mais c'est une toute autre histoire, l'apprentissage coopératif peut être très efficace à mes yeux. L'apprentissage par projet est un modèle que je vois être plus pertinent en sciences et techno, par exemple. Est-ce qu'il a sa place dans une classe de français? Certainement, mais dans une moindre mesure. Oui, on peut par exemple donner un roman au choix ou laisser l'élève choisir le sujet de sa présentation orale, par exemple. Ça va toujours rester un choix qui va être personnel et qui va rester en concordance avec ses propres intérêts. Par conséquent, il est évident que l'élève sera beaucoup plus investi dans son travail et que ça aura un effet bénéfique sur sa motivation. D'un autre côté, si on adopte ce modèle-là sous une perspective de développer des compétences transversales, je crois que c'est fort possible, notamment sous la forme de projets multidisciplinaires. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on a très bien vu avec l'activité sur le manga que nous avons fait en classe il y a de ça plusieurs semaines. Malheureusement, d'après mes observations et mon expérience, ce type de projet-là n'est pas autant présent qu'on le souhaiterait dans nos classes. En somme, la lecture et l'écriture restent la base de tout et ce, peu importe la discipline. C'est pour ça que la maîtrise de la langue a, à mes yeux, une incidence sur toutes les autres matières, et que ce soit de manière positive ou négative. Pour ce qui est de l'apprentissage par problème, là, j'ai vraiment de la difficulté à concevoir une façon de l'appliquer à un cours de français. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment trouver 15 manières différentes de répondre à une règle grammaticale. Ce n'est honnêtement pas un modèle que je pense pouvoir mettre en pratique, et même qu'à la rigueur, ses mises en application dans mon cas me semblent à toute fin pratique nulles.
L'apprentissage par découverte a, par contre, des applications beaucoup plus pratiques dans la didactique de la lecture. Essentiellement, je le vois plus comme une façon de présenter des lunettes avec lesquelles les élèves pourraient étudier un texte littéraire. Par exemple, si je leur fais lire une fable de La Fontaine dont ils ne comprennent pas le sens et ses nombreuses subtilités après une première lecture, je peux leur faire une lecture en grand groupe avec eux, dans laquelle je présenterai la signification de certains aspects, jetant un nouvel éclairage au texte. De cette façon, une relecture plus personnelle du même texte, suite à mon intervention, leur permettrait un regard nouveau sur cette œuvre et, par conséquent, une meilleure compréhension. Sur une note plus personnelle, en terminant, je voudrais dire que cette session-ci m'a énormément aidé pour ce qui était de travailler sur mon essai dans le cadre de ma maîtrise, chose à laquelle je vais m'atteler à la tâche dans les prochains jours, prochaines semaines. En fait, c'est un moment d'épiphanie, on pourrait dire, que j'ai eu lorsqu'on a rencontré Audrey Groslot et qu'elle nous a parlé du rapport au savoir. C'est un concept que je peux mettre en parallèle avec la transposition didactique, qui est un autre concept que j'ai abondamment travaillé dans les dernières semaines, derniers mois. Aujourd'hui, en conséquent, je pense avoir toutes les pistes nécessaires pour pouvoir commencer à travailler un cadre conceptuel qui va s'adresser à une problématique se rapportant aux bonnes, en fait, aux prédispositions des élèves à être introduits à de nouveaux contenus, et ce, en prenant la position d'un passeur culturel. C'est vraiment lorsque j'étais absorbé par ma lecture de la transposition didactique dans les dernières semaines, derniers mois, que j'ai vraiment allumé et qu'il y a eu un déclic qui s'est fait. Avec un peu d'introspection, je suis capable de regarder dans le rétroviseur et de voir clairement où j'étais au début de la session, mais encore plus important, je vois où est-ce que je suis rendu aujourd'hui et que ça termine, oui, très bien une session, mais le plus important, c'est que c'est de très bon augure pour la suite des choses, pour la suite de mon cheminement. Sur ces belles paroles, je tiens à vous remercier pour votre attention et je vous souhaite un très bel été.